du premier album La planète des singes. Le batteur original à la batterie, mais Hugo de Sauge a bien voulu le remplacer.
Gérard me s'est cassé l'épaule. Bonne soirée. Malin, c'est Jérôme, vraiment malin. Applaudis très fort Jérôme qui va revenir Aquarium. À l'époque, c'était un des morceaux phares de nos concerts. Voilà, morceau un peu bizarre, certes, mais qu'on aimait beaucoup et que le public aimait beaucoup. Donc Aquarium 1982, je crois. We'll be right back.
Le cœur dans le ciel rouge, dans les nuages, que tu peux la croire. Merci, le petit bain. Maintenant, on va vous chanter, si je ne me trompe pas, une chanson qui n'est jamais sortie, qui avait été faite à l'époque, premier album, voilà. Et qui, une époque, il y avait des jeux vidéo, il y en a un film qui s'appelait comme ça, et on a gardé la chanson parce qu'elle nous semble toujours d'actualité, on n'a rien changé au texte de l'époque, voilà. Ça s'appelle War Game. War Game! Fait chaud au cœur. Je tuais tes amis, je volais ton pays, et tu fais une révolution, tu changes de nom en des otages. Oh,
beaucoup de oh oh à notre époque et de hey hey. Alors Jean va présenter la prochaine chanson. La première chanson, c'est notre premier 45 tours sorti il y a certaines dizaines d'années. Ça s'appelle Trio. Ah oui. Ouais. Je vous présente, voilà, très brièvement, je l'ai rencontré au lycée en 6e parce qu'il avait un maxi manteau et un jet de cartable absolument phénoménal qu'il envoyait à 17 classes et le cartable tombait à peu près devant la porte de notre cour. Donc je me suis dit, ce mec est très fort. Donc, après, il a eu une galère plus sérieuse. Je ne fais pas, j'ai parallèle.
Très fort, Patrice Rochy, premier bassiste du groupe, premier album, Patrice Rochy, ah, ouais. Et là, Jean, il a voulu annoncer Désunis des Hommes, et c'est maintenant, voilà, Désunis des Hommes. Pourtant, c'est lui qui a fait tout le conducteur, qui a fait un énorme travail pour en 3 mois, qu'on peut applaudir très fort. Bon. C'est vrai, sans votre présence, on est très content que vous soyez là tous ce soir, c'est un peu, on joue à la maison. Mais c'est comme le PSG quoi, mais j'espère qu'on va faire mieux quand même en résultat. Le PSG. Des usines et des hommes, tout un programme. J'entends les machines.
briller. Tout va basculer de leurs mains. Des rythmes syncopés, fondus dans la cire brûlante. Des rythmes syncopés, fondus dans la cire brûlante. Nous ouvriers, quand on les machines plus près. Chantons les machines. Chantons les machines. Chantons les machines. Chantons les petit au revoir, il va revenir Patrice Brocherie from the first album of Les Avions, après Les Avions, où on dit aussi album éponyme. Voilà. Merci Patrice. Alors après on va arriver sur l'album Fanfare. Et pour faire la transition, on veut chanter une chanson qu'à l'époque on disait que c'était des chansons d'album. Ou des chansons typiquement d'album qui ne sont pas sorties en single, mais on l'aime bien, voilà. Donc on va essayer de la faire, il nous manque... Qui c'est qui nous manque? Ah non, voilà Jérôme. Chanson qui s'appelle Publicitaire. Yeah.
dégouline sur nos visages. Chocolat, bas de soie et champagne. Le bonheur est un être voilà, il avait 16 ans, il était un peu plus jeune que nous, même beaucoup plus jeune. GPS, Thierry Hazard, les producteurs de porc. Le leader des producteurs de porc. C'est le parcours. C'est chaud hein, pour un soir de Noël. C'était hier.
je rêve. Je voudrais revenir vers mon passé. Que la neige souffle bon l'hiver. C'est marrant, c'était pour un film qui s'appelle Désordre par Olivia Assayas et ça avait été d'ailleurs mis en contact par Mishka Assayas que je remercie infiniment. Désordre. Thank you.
d'un torrent, ou marcher dans les prés sous le grand soleil. Arriveras-tu à finir ta course sans ce fil d'acier qui est cassé? Thank you.
tout est calme, comme à la clandestine. Mais le vent s'est levé tout d'un coup, c'en est bien terminé. Je vous présente, voilà, qui a joué avec les plus grands, et il a joué avec les plus grands, et aussi avec nous. Vous voyez ce que je veux dire. Yvon Guillard, on remercie beaucoup, il a joué sur l'album Fanfare, et il est là parmi nous ce soir pour la chanson. Bravo, bravo, c'est magnifique, monsieur. Le jour où tu pourras
Thank you.
Je vous ai présenté. Pour être franc, qui nous supporte dans des longues discussions pendant la répétition, voilà. Jean a essayé de prendre le contrôle du groupe parce que Jérôme s'est cassé le bras. Bon, il a fallu résister, il a fallu faire des visioconférences, des négociations absolument infernales, mais nous avons réussi à élaborer ce spectacle qui j'espère vous plaît. On peut remercier ce soir deux personnes, Jean-Pierre Fichot, là, qui est là, qui m'a fait jouer, mais surtout qui fait une pièce de théâtre inspirée par l'album Fanfare. C'est dans le Nord, il y a quelqu'un qui demande aux gens quel album les a inspirés, et c'est une pièce de théâtre. On peut aussi remercier, pour le titre qui vient de passer, Jean-François Maury, qui est aussi là, qui travaillait chez Sony. Merci beaucoup.
cinéma. Vous savez qu'on a été interdit pour quelques temps à cause du broutage, hein, attention, je vous assure. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Alors, je crois que Jean Nakache, Jérémy, nous en sommes à Papillon. Hein. Le retour d'Yvon Guillard pour une chanson un peu funky du quatrième album qui s'appelle Papillon. Bye.
Yvan Guillard. Tu vas revenir. Yvan, merci beaucoup Yvan. On va accueillir
une chanteuse qui d'habitude chante solo, qui va nous aider sur les chœurs de ses derniers morceaux. On accueille très chaudement Valérie Christina. Alors, Valérie, vous n'avez pas assez applaudi quand même un peu plus. Je la connais un petit peu, quoi. La seule chanson des avions en anglais qui passait beaucoup à une époque, la nuit, je ne sais pas pourquoi, beaucoup programmée, même si elle n'est pas sortie en single, ça s'appelle Mountain. C'est l'histoire de couleur. Alors de l'époque fanfare, une chanson, voilà, qu'on aimait bien. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus, Jean? D'accord, je viens de parler, moi, c'est, je crois que c'est Jérôme qui a écrit le texte, et en fait, c'est, je sais pas ce qu'il avait fumé ce jour-là, il imaginait une fiesta sur la banquise avec des ours polaires qui dansaient en fumant des pets. Donc voilà, ça s'appelle ça, fiesta polaire. C'est pas dans le texte, les pets. Hein. Comment? Ladies and gentlemen, good evening. We're gonna show you tonight how the bears can swing. Je me réveille, et sans sommeil, je
dans ce frigo immense. On peut dire cette première partie, mais c'est pas vraiment une première partie quand il y a des gens comme eux, comme Fils de Joie, comme Goudin et comme lui, voilà. J'ai oublié le nom de la chanteuse, on va me le rappeler peut-être. Maëlie, voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Notre dernière chanson, oh là, son bebop, bebop, bebop. Bon, en fait, c'est bebop, pas bebop, hein, parce que bebop, c'est lui sur la lune, c'était Étienne. Bebop, et là, c'est bebop. Allez! Yeah.
Merci beaucoup, merci d'être venu, merci pour tout le monde qui est venu aussi, l'équipe de joie, Kouta, Maïli et Sébastien Crépignan d'avoir organisé avec Persona Grata cette soirée. Merci beaucoup infiniment. Mais parce que vous savez, on est à Paris, donc là à 22h30, il faut que ça soit fini. Hein. Il y a un très bon épisode de Rex assez rare ce soir. Vous pouvez le pas. Alors donc une chanson du quatrième album qui s'appelle 4. Une chanson l'album. Alors, je m'en rappelle des paroles. Je ne suis pas trop ganté ce soir. On peut aussi remercier d'ailleurs Serge Clair qui est dans la salle, qui a toujours accompagné beaucoup de nos affiches. C'est lui la belle affiche que vous avez vue. C'est pour ça qu'on l'a mis beaucoup d'ailleurs. Quelle couleur a le blues? Quelle couleur a la terre? Quelle goût la terre après le tonnerre? Je crois que je me suis... Il n'y a pas les paroles dans la loge là, non? Non. Et après, je crois que c'est... Que fait-nous? Non. Que lâche le capitaine? Quelle cargaison sans cesse, il surlève. Question sans réponse. Des jardins pleins de roses, millions de ponts à l'envi. Tant de questions sans réponse. Des jardins de roses, millions de concessions dans l'envi. Pourquoi ce parfum me rend étrange, de plaisir et de faim. Que fait le combattant qui n'a plus rien à combattre? Déclare qu'il a guerre pour mesurer sa femme. Tant de questions sans réponse, de jardin. Ce métro imaginaire, pourquoi cette lumière, le rouge pour l'enfer? Quelle cause a le sexe? Quelle couleur a la mort? Quelle est le goût de la terre, juste après la mer? Thank you.
question sur le toit. De parfum sur le nom. Obsession dans le vide. Une reprise, voilà, on a longtemps cherché, on a failli faire une chanson d'XTC, donc on l'a fait pas, on a failli refaire la chanson de Talking Heads, on ne l'a fait pas, on a trouvé beaucoup mieux, et pour cela, on va rappeler Jérôme et Patrice qui vont prendre la place, la quille. On a remercié déjà pas mal de gens. Alors on y va. Ça s'appelle le Nuit Sauvage. Remerciements. Voilà. J'essaie de me souvenir de tout le monde. Alors on peut remercier aussi. Présente ce soir. Elle a été citée plusieurs fois dans les articles sur les événements. Elle a été notre manageuse. On lui doit une grande partie du succès. Carole Jambillon. Allez, on parle. La vie, la vie, la vie.
Olivier Sacha, Alain Gardier, on peut remercier Arnold, Choupouce, on peut remercier. Wow.
formation aujourd'hui. C'est beau, mais c'est chaud. Et ça a été fait spécialement pour nous. J'avais une copinette.